Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Roblox. Mais avant tout ça, place au générique. Aujourd'hui, on va se faire du Build a Boat. Le jeu est très simple. Il faut construire son bateau avec les différents objets que nous avons. Alors au début on a juste quelques morceaux de bois, comme ici là. Mais vu que j'ai déjà joué avant, j'ai beaucoup plus de matériel. Donc les bateaux sont plus résistants et ils peuvent aller beaucoup plus loin. Donc je vais vous présenter un de mes bateaux. Voilà, on fait charger et il charge. Et voilà qui arrive. Il est pas beau ce bateau. De base, quand j'avais commencé à le faire, il semblait plus à un drakkar qu'un bateau. Alors j'ai des réacteurs d'avion. J'en ai 3 parce que j'ai eu 4000 d'or. Donc je suis allé là et puis je les ai achetés juste ici. Donc quand on en achète une fois, on en a 3. Et donc pour avoir de l'or, c'est très simple. On va commencer par ce petit siège là, parce que à chaque réacteur, non pas à chaque réacteur, c'est pour les 3 réacteurs, vous avez ainsi un siège spécial pour le contrôler. Et sinon pour, j'ai mis juste en dessous ici, vous pouvez voir qu'il y a des, ça s'appelle comment déjà, bon j'ai perdu le nom, je trouverai ça après. Des moteurs de bateau, voilà, des hélices, et donc du coup avec ce siège là je peux les contrôler. Et sinon j'ai mis plusieurs chaises derrière car on va certainement se prendre du dégât. Donc on va lancer directement. Ah bah c'est très bien, je crois qu'il bug un peu déjà. Ah, tourner dans le vide, le vide. Bon, on va essayer de s'arrêter avec les petits grappins. Non, attendez. Ah, hop. Bon, bah, j'ai pas réussi. On saute. Donc voilà. Bon, on va retester. Hein. Test numéro 2. C'est reparti. Donc, on va sur la disquette de sauvegarde. On fait charger. Le bateau se remet comme avant. Voilà. Toc toc toc. On se remet sur le siège ici. Voilà. On refait lancer. Ah là c'est déjà mieux. Donc comme vous pouvez le voir là avec ça, je peux avancer beaucoup plus vite. Bah un petit peu. Et on peut rester en arrière pour si vous voyez comme des gros des cailloux en fait, pour éviter que votre bateau soit détruit. Donc là on peut tourner. Hop hop hop. Donc en premier lieu, je vous ferai une démonstration sans les réacteurs. Et après, je vous ferai une démonstration avec les réacteurs d'avion. Ah, le mec, il a fait un château ici. Donc c'est plus facile à se diriger avec ça, parce que sinon, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vous diriger, vous devez aller en face. Hop. Bon, le bois, ça se casse assez rapidement. Vous voyez là. À chaque collision, vous avez du dégât. Donc vous perdez un bloc. Vous pouvez voir à droite que vous avez les différents biomes que vous devez traverser. Et ici, à la fin, c'est le trésor. Donc à chaque biome, il y a sa particularité. Et dans certains biomes, vous avez des coffres. Des coffres comme ça, là. Qui vous permettent de mieux, on va dire, solidifier votre bateau. Donc voilà. Nous, on va en face, on a de la solidité avec nous. Donc on va quand même esquiver un petit peu. Parce que le dernier biome, le phare, là, il reste toujours le même, mais il est compliqué. Parce que c'est des énormes rochers qui détruisent pratiquement tous les bateaux. Donc voilà le home cinéma.
une nouvelle map qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Tiens, on fait des petits rebonds. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, nous avons le terrain de baseball. La petite raquette, tiens, il nous tient dessus. Hop. Voilà. Donc on est. Le but c'est d'esquiver le plus d'objets possible, mais je crois que j'ai fait un peu trop large le bateau. Donc on va dire qu'on se prend un peu tous les obstacles. Donc voilà, donc on continue. Hop hop hop. Tiens. Donc là on est dans le. On est dans le cirque. Il nous tire dessus. Attention, on va tirer du canon. C'est pour ceux qui ont la référence, c'est la 7ème compagnie. Oui, il faut sortir un peu classique aussi. Donc là, c'est la ferme. Tiens, je n'arrive plus à me diriger. Voilà. Ah non, je n'arrive plus à me diriger. Bah tiens. Comme vous voyez, j'ai perdu les deux sièges avant. Et je n'arrive plus du tout à me diriger. Bon. Pourtant, j'ai toujours les moteurs, mais bon, c'est pas grave. Ils veulent plus tourner. Ah. Bah vous voyez, avec un coup d'éclair, j'ai perdu tous les sièges. Et donc du coup, je n'ai plus de point d'accroche. Vous voyez, les éclairs, ça fait masse de dégâts. Ça a coupé mon bateau en deux. Oula, là, c'était chaud. Oh, oh, les mines. Donc là, on est dans le biome alien. Comme vous pouvez voir, il y a des sous-coupes en haut, là. Il y a des bombes juste ici. Qui font masse de dégâts. Et avec les petits vaisseaux, ils prennent pas mal de blocs, on va dire. On va se mettre par là, peut-être un peu plus sécurisé. On est presque à la fin. Mais comme vous voyez, même les blocs les plus résistants, des fois, ils font pas trop le poids. Hop. Donc là, on est dans la map Alligator. Ah, je saute. Ah, non, non, je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Ah bah je suis mort. Il y a eu un petit bug. Bah je suis mort. Bon, vous voyez, il y a trois crocodiles. Donc voilà, donc à chaque biome passé, on va dire, on reçoit de l'or. Les réacteurs, c'est très simple. Vous avez juste à appuyer dessus et à vous lever comme ça, avec le Z. Z c'est pour lever et S c'est pour descendre. Donc après, Q et D c'est pour tourner. Donc on va commencer par appuyer sur le petit réacteur là, voilà, on se lève, on vole. Donc en théorie, un réacteur, ça fait les trois quarts de la map, voire toute la map, hein, s'ils prennent pas de dégâts. Ils ont détruit deux des réacteurs, celui-là qui était à gauche et celui du milieu. Donc heureusement qu'il nous en reste un, hop, voilà, on l'active, on survole, et voilà. Ouh. Donc là, on a encore le biome cirque. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez les réacteurs, vous vous levez, vous restez pas figé droit comme j'ai fait tout à l'heure. Hein, parce que c'est sûr que là, vous allez prendre du dégât. Par exemple, vous avez vu, j'ai déjà perdu deux de mes réacteurs. Et surtout, face à l'orage, c'est... Ah bah voilà. Il m'a détruit mon dernier réacteur. Et en plus, mes deux grappins. Donc, vous voyez, c'est pas si évident que ça. Donc vu qu'il me sert plus à grand chose le siège, autant que je change de siège. Mais pour ça il fallait que j'aie encore mes moteurs de bateau, chose que je n'ai plus. Donc voilà, on va continuer un petit peu comme ça. Hop, hop, hop. Déjà comparé à tout à l'heure, oui j'ai. J'allais parler un peu trop vite, j'allais dire qu'on allait prendre un peu moins de dégâts, mais on en prend tout autant, hein, j'ai l'impression. Hein. Tiens, on va tirer du canon dessus, ça marche pas. Bon, on va essayer de protéger le semblant de bateau qui nous reste. Ouh. Bon, les alligators, ils ont fait le taf. Hein. Ils ont pris le dernier canon que j'avais. Et ils engloutissent tous les blocs, j'ai l'impression. Ok, je suis sur plus qu'un petit radeau. Tiens, il vient de me bouffer. Très bien. Bon, voilà.
Donc quand vous avez le bateau avec les réacteurs, vraiment c'est le plus chiant, c'est l'orage. Il fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc maintenant que je vous ai présenté une de mes créations, on va construire un bateau. Donc à prendre les blocs les plus solides. Pour moi, je trouve que le bloc le plus solide, c'est lui. Après, vous avez lui, mais lui, il fait énormément mal aux yeux dès que vous en mettez plusieurs. Donc j'évite de le prendre. Donc on prend lui. Donc vous les mettez côte à côte. Alors, très important, faut faire très attention, parce que des fois, les blocs, ils peuvent se mettre en demi. Et donc des fois, c'est pas évident. Et ils peuvent se mettre dans le sol, voilà, comme là. Et quand il se met dans le sol, donc vous voyez qu'il dépasse, et ben votre bateau il surélève et ça vous déséquilibre. Et donc c'est pas fun. Donc on va assembler tous les petits blocs. Faire attention à ne pas les mettre en décalé. Comme là, encore une fois. Hop, 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 on va continuer. Hop. Toc toc. Bon, je vais vous faire le bateau et on se retrouve à la fin dès que je l'ai terminé. À tout de suite. Voilà le bateau. Donc, bon, ça ressemble pas vraiment à un bateau, mais il est solide. Donc, vous pouvez voir que j'ai mis les trois réacteurs en dessous. Parce que vu les orages, et bah, ça les détruisait rapidement. J'ai mis pas mal de petits réacteurs. Bon, ça va pas servir à grand chose parce que à chaque fois quand on les utilise, bah, ça part en steak, hein, que je vous montrer. Vous avez le siège spécial réacteur. Donc, vous pouvez voir la différence entre les deux. Bah, c'est juste ici, là, c'est le repose-cou. Et vous pouvez voir aussi, il y a un petit UV ici, que là, il y en a pas. Et donc, du coup, j'ai mis aussi les quatre grappins que j'ai. Ah, non. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. À se mettre là. J'ai pas mis de réacteur cette fois-ci parce que je me suis dit on va aller survoler un petit peu pour que je puisse vous montrer la fin. Si on y arrive. Et on vole. Donc ça c'est la map phare. Donc ça c'est la map, la toute dernière map. Et ça reste toujours la même. Elle ne change jamais. Donc comme vous pouvez le voir, bah, y a les gros blocs. Et qui prennent du temps. Et qui font énormément mal. Donc voilà, heureusement que j'avais mis trois sièges, donc j'ai toujours pu me couvrir. Donc, voilà. Donc là on a un peu de chance parce qu'il y avait un petit passage, mais des fois vous n'avez pas de passage, donc vous prenez 10 ou 20 blocs directement. Et donc du coup, bah, votre bateau finit par se faire détruire. Donc voilà, là on y est presque. Hop, 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 encore un petit effort, voilà. Donc là, on retrouve les petits rochers du début. Bon, eux, ils font pas vraiment spécialement mal. Hein. Vous pouvez le voir, bah, ça résiste plutôt bien. Et nous avons une petite cascade. Avec des petites pointes à l'arrière. Et voilà. Attention. Voilà. Et donc, on a fini par se retourner à l'endroit. Donc là, vous avez des petits pics. Pour eux, ils font pas spécialement mal que ça. Ce qui fait le plus mal, c'est le dernier biome, là, le phare. C'est les blocs qui font beaucoup plus mal. Donc voilà. Hop. Donc dès que vous êtes ici, l'eau a changé, donc vous pouvez directement sauter, vous ne mourrez pas. Si vous allez dans l'eau là, vous mourrez. Donc après, vous pouvez laisser votre bateau ici. Quand il va arriver à peu près par ici, là, il va commencer à se décomposer. Bah, vous voyez. Il commence déjà à se décomposer. Hop, 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 hop. Et il n'y a plus rien. Donc nous, on va aller au trésor. Donc, c'est beau. Hein. Donc le trésor, il est juste là. Donc vous avez juste à aller dessus, sur le cadenas. Voilà. Ça vous met une nuit noire. Vous avez tous les lingots. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller à l'intérieur directement. Mais ça, c'est... De toute façon, la porte, elle ne se referme pas sur vous. Allez, hop. Et vous recevez... de 105 d'or, donc là, avoir tout terminé, on reçoit 105 d'or et un bloc d'or. Je vais vous montrer une dernière de mes créations.
Voilà. Toc, toc, toc. Ça, c'est la... ce que j'ai fait, en fait. C'est la... une petite boîte blindée. Donc, en gros, vous voyez, vous avez un siège à l'intérieur. Juste un petit siège, histoire de... Vous refermez et vous lancez à l'aventure. C'est devant le coffre que nous allons nous quitter. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et de t'abonner. Sinon, sur ce, au revoir.